Maroc affronte l'équipe du Sénégal pour le premier round d'une double confrontation qualificative pour le mondial de Cécifoot à Tokyo. Une rencontre historique. C'est en effet la première compétition officielle organisée entre pays africains. Emmenés par leur capitaine Cher Diouf, les jeunes lions de la Teranga se confrontent à une équipe marocaine plus expérimentée, sous les yeux de Papé Soaré et d'Idrissa Gueye, venus supporter leur sélection. Mohamed Daoudi face à Titiam. Daoudi récupère la balle. Accélère par arrière gauche. Il se décale dans l'axe. Et le tir un peu trop à gauche. Mohamed Berka au 8 mètres. Le 5 marocain qui frappe sans précision. Moussa Cissé qui temporise. Penche sur le flanc droit, fait parler sa vitesse. Et la frappe trop à droite. Ahmed El Azouzi. Roulette pour se défaire. Ousmane Lo, contre le but adverse. Et faute d'Ousmane Lo, coup franc. Va être tiré par Berka sur le mur. Ayoub Chouigui. On tourne la défense par la droite. Il frappe sans précision. Berka. Passer Ousmane Lo dans une frappe propre à gauche. Saïdi Mi, le gardien marocain, relance à droite sur El Azouzi. C'est là dans l'axe. Le temps. Il est seul face au gardien. Et le but! Ouverture du score de la sélection marocaine. El Azouzi n'a laissé aucune chance à Pape Diouf. Ousmane Lo récupère la balle face. Tente une frappe au bol pour inquiéter le portier marocain. Berka, côté gauche. Accélère, suit la balle. Et lourde frappe sans contrôle qui rase le poteau gauche de Pabiouf. Titiam au pressing. Récupère la balle pour Moussa Cissé qui accélère, belle pointe de vitesse. En deux temps. Tirer l'arrêt de Saïdi Mi. Saïdi Mi qui relance en direction de Chouigui. Récupère Chouigui qui progresse. En deux temps, ça fait tour d'axe sénégalais, il est seul. Et l'arrêt de Pape Diouf. Moussa Cissé à gauche, vers l'axe. Et la frappe de Cissé trop à droite. C'est au terme d'un match ouvert que le Maroc repart avec sa première victoire, prenant l'avantage dans ce double duel. Bien que menés au score, les Sénégalais ont répondu présents, compensant leur manque d'expérience par leur courage dans les duels et un pressing contre.